Oi! C'est ce que vous pouvez faire. Vendeurs d'illusions, le lion des menteurs. C'est l'ou d'elle, yalo. Baraka, c'est l'ou yalo. C'est l'ou d'elle, yalo. La Guinée, menge, c'est l'ou yalo. Menge, Amou la fée, on va massacrer. Yo, 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 yo. C'est pas le courant arnaque, c'est pas Kaleta arnaque pour qu'on vote. C'est du courant H24. C'est pas du courant vol, mensonge qui est en train de couper là. Après, c'est pour dire que. C'est Loufé. Wakali. Allez. Bonsoir, bienvenue sur la page de Agile King, Gabriel Agisila, votre frère, oui. Combattant, militant, patenté, communicant de l'UFDG, le plus grand parti de la République de Guinée. On va décortiquer et mettre le feu sur la réunion hier des bandits, je dis bien les bandits, les faux types. La réunion des bandits. Ouais. Comme vous, les militants du RPG, là. Vous pensez que vous êtes les plus bénis. Vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Tu es en train de me regarder. Tu ne veux pas admettre la vérité. Tu es en train de me regarder. Tu ne veux pas accepter la vérité. Alors, on te dira cette vérité-là. C'est fini. Vous êtes mort. Kazori, vous êtes mort. Amadou Damaro, vous êtes mort. Ko. Quand Mamadi est venu, vous n'avez pas d'espoir. Vous n'avez pas d'espoir. C'est de dire que transition 5 ans, c'est-à-dire
le truc là, le transition de 5 ans là, c'est les RPGistes qui ont, c'est-à-dire c'est eux qui ont créé ça parce que ils n'ont pas d'espoir, tellement que vous êtes morts, tellement que vous n'avez pas de solution, tellement que Dieu vous a frappé, tellement que Alpha, pendant son règne, il a donné le pouvoir à Seluda Lengyalo, petit à petit, sans se rendre compte. C'est ce qu'Alpha a fait. Sans se rendre compte, en faisant tout, c'est-à-dire emprisonnement, les séquestrations, dès qu'on dit la vérité, on te met en prison pour chercher, c'est-à-dire acheter les militants de l'UFDG pour venir au RPG. Maintenant, vous, les RPGistes, vous ne voulez pas accepter cette vérité qui est tout simplement que c'est Seluda Lengyalo qui est le futur président. Et parce que vous savez que dans un an, dans deux ans, s'il y a élection, c'est Selou. Même dans trois ans, s'il y a élection, c'est Selou. Même dans quatre ans, s'il y a élection, c'est Selou. Maintenant, vous avez pris l'espoir de cinq ans de transition pour mettre cinq ans, c'est bon, cinq ans, c'est bon, cinq ans, c'est bon, cinq ans, c'est bon. Alors que vous savez pertinemment que oui, le RPG est mort. Aura parti Bara Mfara, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus de RPG. Vous êtes là? Deuxième argument, c'est quoi? Deuxième argument, c'est quoi? Deuxième argument, ah, on ne veut plus des vieux politiciens. On ne veut plus des vieux politiciens. La place aux jeunes. Il y a plus de 5 ans. Alors, on va vous laver ici, un à un. On vous attend au tournant. Vous avez fait réunion hier, non? Vous êtes en train d'élire Kassori, non? Pour qu'il soit le président du RPG, non? Pour présenter le RPG, non? Maintenant, on vous attend au tournant pour venir contrer Doumbouya pour dire que transition, vous allez quitter aussi sur transition de 5 ans parce que vous avez parlé de transition de 5 ans. Comme le parti est foutu, est mort, il n'y a pas de personne à la tête. Le colis n'a jamais organisé de congrès pour élire son vice-président. Maintenant, quand ils vont élire quelqu'un à la tête du RPG tout de suite, vous allez venir ici encore. Vous êtes une honte pour la Guinée. Le RPG, c'est une honte. Vous n'êtes qu'un parti ethno. Une honte. Vous allez venir ici qu'on nous dire que ah, transition, c'est la normale qui est bon. 5 ans, c'est pas bon. On va aller aux élections. Organiser les élections. Vous allez venir encore nous dire ça. Maintenant, le deuxième argument pour dire que on ne veut pas de vieux politiciens. Les Damaro, là, Amadou Damaro, que vous pensez là? Ou Kassori là? Damaro, Amadou Damaro et Seluda, les, attendez, je pars sur Google pour vous. Amadou Damaro, je tape Amadou Damaro. Avec le plus grand bandit, Diane, Amadou Damaro Camara. Temps, lieu de naissance. Voilà, attendez. Amadou Damaro Camara, né le 9 avril 1952. Ouais, 52, OT, temps. 1952, 67 ans. Amadou Damaro Camara, né le 9 avril 1952 à Zéré Corée, est un économiste et un politicien guinéen à Zéré Corée. 69 ans, il a 69 ans. 69 ans. Maintenant, vieux politicien, c'est lui? C'est lui? Ou c'est pas lui? Vieux politicien là. Hein? Vieux politicien là. Attendez. Ils sont partis en réunion avec tous les trucs. Regarde-moi les vieillards là. Regardez-moi. Ça, regardez-moi ça. Vous pensez, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous pensez que vous pouvez nous faire peur? Si c'est Kassori que vous voulez élire là, on s'en fout de Kassori. Kassori n'est qu'un mensonge. Si c'est les vieillards là, hein, les copains des petites jeunes filles là, on s'en fout d'eux. Jamais de la vie.
ça ne marchera. Nous, on n'a pas peur de vous. L'UFDG, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Si vous voulez, il faut élire qui vous voulez à la tête de votre parti. Il faut sortir tous les arguments que vous voulez. Maribo Ressoussé, Ouvarato, Kassori Mouseraba Wombe, Baskotke. Pourquoi ils sont en train d'élire Kassori? Parce qu'ils savent que Kassori, c'est un soussou. Et ils savent que c'est le soussou qui donne le pouvoir en Guinée. Est-ce que réellement, avec vos haines là, si ce n'est pas le pouvoir que vous voulez, vous pouvez élire Kassori, président du RPG, devant Mohamed Gani? Est-ce que vous pouvez élire Kassori, président du RPG, devant Mohamed Gani? C'est parce que vous savez que Kassori est un soussou, il est de la basse côte, que vous pensez qu'il peut manipuler les soussous. Ça ne marchera plus! Ça ne marchera plus! Oui? Si ce n'est pas à cause de parce que les soussous peuvent donner le pouvoir à quelqu'un, vous n'allez jamais élire Kassori, président du RPG. Jamais! Omar Abama! Vous n'allez pas le faire. Vous n'êtes qu'un basalé, RPG. C'est-à-dire, les gens qui sont dans RPG, c'est des ethnos. C'est pourquoi ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils sont là en train de me regarder. Mais vous avez échoué. Si vous voulez, il faut élire 10 000 Kassori à la tête. Si c'est le Kassori là, il n'aura même pas 1% contre l'UFDG. 1% contre l'UFDG. Vous ne nous faites pas peur. C'est Doumbouya qui vous laisse de vous marcher comme ça, librement, monter, descendre, des personnes qui ont pillé le pays, des voleurs remplis comme ça, là. C'est Doumbouya. C'est à cause de Doumbouya, malgré que vous êtes sous la surveillance du CNRDD. Mais RPG, je vous dis cette vérité. Hein? Hier, là, la réunion, là, sur les photos, là, on n'a pas entendu, on ne veut plus les vieux politiciens, parce que c'est vos leaders. On n'a pas entendu ça, hein? Sur vos photos, là, photos de Amadou Damarou, là. On n'a pas entendu, on ne veut plus de vieux politiciens. Photo de Mohamed Gani, on n'a pas entendu, on ne veut plus de vieux politiciens. Photo de Kassori, on n'a pas entendu, on ne veut plus de vieux politiciens. Quand on met la photo de notre président, quand on parle de notre président, vous sortez quoi? On ne veut plus de vieux politiciens, la place aux jeunes. Alpha Condé est devenu président à 75 ans. 75 ans. Il n'y a pas un vieux politicien plus cocodio que lui en République de Guinée. Il n'y en a pas un vieux politicien plus cocodio que votre coron national. À 75 ans. Maintenant, Alpha est devenu président à 75 ans. Il a effectué son pouvoir. Il a fait 10 ans de pouvoir jusqu'à 85 ans. Et nous, notre président qui est dans les soixantaines, vous ne voulez pas que lui devienne président? C'est quoi cette haine-là? C'est quoi cette... C'est-à-dire, c'est quoi cette... dire qu'on est plus intelligent ou on est plus malin. Vous pensez que vous êtes plus malin ou bien vous êtes les plus bénis? Alpha est devenu président à 75 ans. Il a même piqué crise pour demander à Konaté de le laisser devenir président pour ne pas qu'il meure sans être président. Et s'il était mort sans devenir président, on allait dire hey, c'était le plus bon des Guinéens, c'était le plus grand des opposants. On allait dire ça. Oui, on allait dire ça. Mais heureusement pour nous, Dieu nous a montré sa vraie face. On a compris qui il est. Oui. Oui. Oui, parlez vite là, s'il vous plaît. Oui. Je vous envoie par SMS là, tout de suite. Je suis en émission, je ne peux pas dire ça. Mon adresse. Je suis en émission là, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire mon adresse. Les sorciers RPG sont là. Ils vont venir se mettre sous le toit de là où je loge là pour m'empêcher de dormir. Ou vous pensez que vous êtes les plus malins? Ou bien vous pensez que vous êtes les plus bénis? Vous pensez que vous êtes les plus bénis? Sur ces photos-là, hein? Les vieux politiciens là, on n'a pas entendu ça hier, hein? Vieux politiciens. On n'a pas entendu ça, vieux politiciens, hier. Hein? Attendez, je vous fais sortir votre cocodio là. Le plus grand voleur, détourneur d'argent. Un professeur qui est devenu millionnaire en dollars. Millionnaire en dollars. On n'a pas entendu ça. Maintenant, on vous attend au tournant. Vous allez venir petit à petit. Petit à petit, vos arguments vont changer de,
C'est-à-dire, ça va changer de rythme. Ça va changer de rythme. Le premier argument, on veut 5 ans de transition. C'est 5 ans de transition que vous voulez, non? C'est ce que vous dites, non, cas. On reste là-bas, hein, ne quittez pas là-bas. Vous ne voulez pas de vieux politiciens, non? On reste là-bas, ne quittez pas là-bas, des. Ne quittez pas là-bas, des. En tout cas, si vous savez parler ou si vous voulez cracher vos haines sur des gens, commencez par vous-même. Vous êtes les premiers à être les plus mauvais. Vous êtes les premiers à être les plus bidons. Si vous voulez cracher vos haines sur des gens, commencez par vous-même. Parce que, vieux politiciens, c'est rempli de chez vous là-bas. Voleur, c'est rempli chez vous là-bas. Menteur, c'est rempli chez vous là-bas. Manipulateur, c'est rempli chez vous là-bas. RPG ne peut pas sortir un leader aujourd'hui. De Macanera, j'ai dit, jusqu'à Bantamaso, qui va s'arrêter devant, j'ai dit bien, devant des gamins de 16 ans qui ont connu les 5 dernières années d'Alpha Condé pour leur convaincre et qu'il arrive à accepter et qu'il arrive à l'écouter. Jamais ça ne marchera pas. Je dis bien, de Macanera jusqu'à Bantamaso. Macanera, Bantamaso, Mohamed Diané, Amadou Damaro, Kassori et autres là. Il n'y a pas ce leader-là qui est crédible. Vous êtes mort. Hé, hey, mort. C'est moi qui vous dis, si vous refusez d'accepter cette vérité-là, nous on vous dit qu'on va vous manger bien cru. Hé, hey, comme ça. Si c'est sur Kassori que vous comptez là, Bascotte là, ça c'est dans nos mains. Namoumbel René, Barak. Mbarengu Sosoe, hé, va avec Kassori là. Arafini, RPG. Miri Kobeira, Parti Rounira. Amengeya, Etanantoum. À la Guinée, la Mara, le Tanani, royauté. Vous pensez que la Guinée, c'est une royauté? Hein? Où le père meurt, le fils prend, le fils meurt, le petit-fils prend. Hein? Vous pensez que vous êtes plus béni que qui? Womayele, c'est moi qui vous dis. Womayele, c'est moi qui vous dis. Womayele, notre président, c'est le futur président de la République de Guinée. Que vous l'acceptez ou non. Que vous l'acceptez ou non. Argument, 5 ans de transition. Vous voulez que ça se fasse, ça ne se fera pas. Argument, on ne veut plus de vieux politiciens. Vous voulez que ça se fasse, ça ne se fera pas. Argument, on ne veut pas de Selou président. Pourquoi Alpha est devenu président à 75? Hein? Vous êtes véridique? Est-ce que vous êtes véridique? Si vous êtes véridique, pourquoi Alpha est devenu président à 75 ans? Vous parlez de jeunes. Les jeunes qui sont plus affamés, qui ont plus faim, hein? Qui sont plus bandits que les vieux même. Quel jeune va venir? Vous parlez de quel jeune? Les jeunes sont plus bandits. Oui, notre président, c'est un président honnête. Oui, honnête, crédible. Oui, vous n'avez rien contre lui, si ce n'est pas du mensonge. Rien! Tout ce que vous avez contre lui là, comme mensonge, tout ce que vous avez inventé contre lui là, on a cherché ça pour vous clarifier ça maintenant. Quand j'ai mis cette vidéo, il y a RPG qui est venu en commentaire pour dire « Et les rails de Cancan ?» C'est-à-dire, ça veut dire que quand j'ai mis « Le président CDD n'est pas le meilleur investisseur au Sénégal », il a accepté, il a compris. Quand j'ai dit « Le président Selou Dalé n'a pas vendu Air Guinée », il a accepté ça. Il a cherché un autre argument pour dire que « Et les rails de Cancan ?» J'ai dit « Quel rail de Cancan encore, mon frère ?» Ça, c'est du mensonge. Finalement, il a adhéré. Les RPGs qui nous ont rejoints, wallahi billahi tallahi, ça dépasse aujourd'hui les 10 personnes. Les RPGs qui nous ont rejoints, je jure, sur le Saint-Coran, qui m'ont appelé, qui ont peur de venir s'exprimer ici, sur la place publique, qui ont dit qu'ils ne croient plus à ce mensonge-là, que le parti RPG, c'est un mensonge. Et puis des purs dignes fils de la Haute-Guinée. Je dis bien les purs dignes fils de la Haute-Guinée. Après la vidéo, pour montrer que ce n'est pas notre président qui est le meilleur investisseur au Sénégal. Après cette vidéo, 3 personnes ont rejoint par l'intermédiaire d'un de mes petits Diané, un fils, un Diané original, qui m'a appelé, il dit grand, oui, 3 de mes amis sont venus aussi. Un petit Diané cool, qui est 100% UFDG. Et puis, après il y a 2 autres personnes qui m'ont appelé, qui nous ont rejoints.
Et il y a une femme Diakanké qui nous a rejoint aussi. Tout ça là. Vous pensez que ça c'est petit. Mais arrêtez de forcer la situation. Mon maître Diané, vieux politicien. Quand on cherche son truc sur Wikipédia. Attendez, je tape mon maître Diané. On va voir son âge. Mon maître Diané. Mohamed Diané est un homme politicien guinéen, gouvernement Youla Kassori, 26 décembre 2015 à 5 septembre 2021, 8 mois et 10 jours. Non, je veux voir son âge. Wikipédia, biographie. Oh, lui c'est le plus grand bandit. Il n'y a pas son âge ici. C'est le plus grand bandit. Il n'y a pas son âge ici. Attendez, je vais aller voir. Il y a pas son... Allez-y fouiller vous-même. Allez-y sur Google. Vous tapez Mohamed Diané. Wallahi billah, il n'y a pas son âge. Il n'y a pas son extrait de naissance. Mais attendez. On va voir Kassori Fofana. Ibrahima Kassori Fofana. On va voir, ils ont quel âge. On ne veut pas de vieux politiciens. Ibrahima Kassori Fofana, né le 15 avril 1954 à Fort Kaya. Il y a 2 ans entre lui et notre président, Alhaji Sello. Né le 15 avril 1954. Mohamed Diané, attendez, je vais mettre Mohamed Diané âge. C'est le plus grand bandit. Il n'y a pas son âge ici. Mais il est plus âgé qu'Alpha Condé. Ou il est du même âge qu'Alpha Condé. Ah, il est du même âge. Il est dans les 75 ans. Attendez. Il est dans les 75 ans. Contrairement. Vous allez parler à qui? Vous pensez que... La Guinée ne dort plus. Les Guinéens ne dorment plus. Ça, c'est fini. C'est mort. C'est fini. Mere Mourifé, son nom. Mere Moumadarouma, son nom. Kassori Baranaran, ça, la Guinée, qui fara rada nama. Orenion Kemeraba. Orenion Furaba. Orenion Sanaba. Womusigama Dede. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, tant que moi, je suis en vie, tant que les fils dignes de la Guinée sont en vie, le RPG n'ira nulle part. Nulle part. Ce n'est pas une haine, de, contrairement à vous. Nous, on n'a pas une haine contre l'ethnie Malinké. Non. C'est le contraire. Nous, on n'a pas une haine contre l'ethnie Malinké. Hein. Nous, on est contre le système du RPG. On est contre comment vous travaillez. Et on va vous démontrer par A plus B que Womou Doroma B. Son nom. Son nom, Mohamed Diané, il n'y a pas son âge là-bas. Si vous voyez une personne qui cache son âge au Wikipédia et autres là, c'est parce que la personne, c'est un bandit. C'est moi qui vous le dis. C'est un bandit, co-gardien du temple, qu'on s'est rentré, sorti comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Guinée? Au nom à Moussé, apportez-les la Guinée paix. Si ce n'est pas le mensonge, si ce n'est pas vous enrichir, si ce n'est pas tromper le peuple, être les sugar daddy des petites filles. Hein? Envoyer les petites filles à Dubaï. Partir faire le show. Hein? C'est votre travail. Donc RPG, je vous dis ceci. Vous n'êtes rien devant l'UFDG. Vous ne pouvez rien. Rien du tout. Je vous dis ça, hein. Si vous voulez monter au ciel, faites tout ce que vous voulez. Votre seule arme là, c'est la division. Les trucs, des paroles ethniques. Ça là, Rafam Baradam. Ça là aussi, c'est fini. Parce que partout où vous chercherez à faire sortir des débats comme ça, on sortira pour vous barrer la route. C'est moi qui vous le dis.
Allez, partez chez vos charlatans. Faites tout ce que vous voulez, vos trucs de bizarrerie. Nous, on est avec Dieu. On est avec Dieu. On est avec Dieu. On fait des zikrs tous les jours. Vous ne pourrez rien. C'est moi qui vous dis. Réunion des bandicots, les ennemis, le cœur des ennemis vont tromper. Il y a des ennemis de la Guinée plus que vous, les RPGistes. Est-ce qu'il y a les ennemis de la Guinée plus que vous? Il n'y en a pas. Parce que c'est vous qui n'aimez pas, qui ne voulez pas que une personne devienne président parce qu'il est d'une autre ethnie. Hein? C'est vous qui êtes comme ça. Ça, c'est dans votre cœur. Les RPGistes. Ce n'est pas communauté Malinké, dit. Parce qu'il y a beaucoup de Malinké à l'UFDG. Il y a beaucoup de Malinké dans les autres partis. Mais vous, les RPGistes, là, si vous comptez sur Kassori Makanera, ou Mayele, vous faites rire comme Makanera, le plus grand bordélique politicien, la bouche de l'enfer. Vous faites rire, hein? Vous faites rire. Vous ne voulez pas de vieux politiciens? On ne veut pas de vieux politiciens. Nous, notre président, c'est un jeune. Attendez, je vais vous montrer la photo. Voilà. Je vais vous montrer la photo de Damaro. Damaro et Selou Dalin. Ils ont le même âge. Damaro, Amadou Damaro, l'ex-président de l'Assemblée. Amadou Damaro, l'ex-président de l'Assemblée. Et Selou Dalin Diallo. Et là, j'ai Selou Dalin Diallo. Ils ont le même âge. Regardez. Amadou Damaro, regardez. Ils ont le même âge. Amadou Damaro, hein? Regardez Amadou Damaro. Vous voyez, non? Il a 69 ans. 69 ans. Vous voyez? Je vais vous faire sortir Selou Dalin. Vous allez me dire qui a l'air d'être le plus âgé. Vous allez me dire. Mais il ment. Il a diminué son âge. Lui, là, c'est un vieux bandit. C'est un vieux menteur. Lui, là. Il a diminué son âge. Il dit qu'il a 69 ans. Lui, il a 75 ans. Lui, là. Il a 75 ans. Maintenant, je vais vous faire sortir Selou Dalin Diallo. Hein? Waouh, mon président, sa voix même. Le monsieur la dérange trop, sa voix même, sa façon de parler. Et on sent que c'est un homme sincère. On sent que ce n'est pas une personne manipulateur. On sent que c'est un homme honnête. Regardez ce loup-là. Il a 69 ans. Regardez. Ça, c'est sa dernière photo, hein. Oui, l'une de ses dernières photos à l'Assemblée Générale virtuelle, le jour où il a porté Forêt Sacrée. Vous vous souvenez, non? Regardez Selou Dalin, regardez-le. Regardez Selou Dalin, le président de la Guinée, le futur président de la Guinée. Regardez-le. Il n'a pas diminué son âge. Hein? Il a mis son âge exact. Il n'a pas diminué son âge. Hein? Oui. Attendez, quelqu'un m'a envoyé un message là. Salut mon frère, Mohamed Diané n'a pas 75 ans. Il a plus que 75 ans, il est dans les 79. Lui et Alpha Condé sont de la même génération. Je me rappelle que j'ai lu un article où il disait qu'il a fini les études universitaires en 1975. Ah bon? Il a fini les études universitaires en 1975. Ah, ce message m'a été envoyé par Sori Woulari. Hey, pardon. Bon frère, j'ai pas dit ton nom. Hein. Il a fini 1975. Ça doit être dans les 60, 50. Les RPG sont là.
Et en fait, ils sont là. Il y a Gardé qui dit, Damoro, son vrai âge, c'est 75 ou 80. Damoro dit, il a 69 ans. Entre vous et Dieu, entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Hein? Entre vous et Dieu. Amadou Damoro, là, lui, il a quel âge? Je vous remets la photo. Hey, vous voyez les belles, à la tagui. Lui là, il a quel âge? Lui là, vous donnez quel âge au monsieur là? Entre vous et Dieu. Hein? Hmm? Entre vous et Dieu, lui il a quel âge? Lui là, 75 ans, lui là, 75 ans, lui. Le vieux là, il a 75 ans. Diane a 79 ans, lui là. Il a 75 ans, lui. Ils sont tous plus âgés que c'est Lou Dalin. Tous plus âgés que c'est Lou Dalin. Tous. C'est Lou Dalin est de la même génération. Il y a quelqu'un qui dit 78. C'est Lou Dalin est de la même génération que Kasori. Lui, c'est un politicien déjà qui ne peut rien dire aux Guinéens. Si c'est Kasori que vous envoyez là, je vous dis, c'est fini. Vous êtes mort. Ça, c'est signé, cacheté. Ah.